Depuis plus de deux millénaires, chaque siècle a marqué la Moselle, à tel point qu'aujourd'hui, il est impossible de parler de ce territoire sans le rattacher directement à son passé, riche et mouvementé. Depuis plusieurs années, mon ambition est d'aller à la découverte de ces vestiges du passé mosellan, aux côtés de ceux qui participent à leur préservation. Historiens, conservateurs, experts ou passionnés, tous sont habités par une envie commune, lever le voile sur les secrets de notre histoire. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Destination Moselle. Aujourd'hui, je vous emmène dans un coin assez méconnu de la ville de Metz, celui de ses remparts. L'histoire des remparts à Metz s'étale de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. C'est une histoire qui, vous allez le voir, s'inscrit par étapes. Et justement, nous allons retracer ces différentes étapes tout au long de cette émission. Vous êtes prêts? C'est parti! C'est un véritable voyage temporel que nous allons réaliser aujourd'hui en longeant la Seille à la découverte de tout ce qu'il reste des fortifications messines, témoignage grandiose d'une histoire étonnante. Pendant que nous remontons le temps, Kevin Guriot, spécialiste de l'histoire de la Lorraine, nous suivra en direct et j'irai ensuite le retrouver pour continuer cette émission en plateau. En attendant, pour nous accompagner et nous guider tout au long de ce voyage dans le temps, Mylène Parisot, professeure d'histoire et membre de l'association Historia Metensis, qui m'attend juste au-dessus de l'eau dans ce coin tout mignon. Bonjour Mylène. Bonjour Tim. Merci d'être ici. Mais pour nous parler des remparts, les remparts de Metz, une histoire qui s'étale sur 17 siècles, 1700 ans d'histoire, c'est quand même assez exceptionnel. On est d'accord, ça remonte à l'Antiquité, au IIIe siècle, on a une ville qui commence à se développer, Divo de Rome, avec des fortifications antiques. Et puis au fur et à mesure, comme la ville s'agrandit, on a la naissance de faubourgs. Ces faubourgs sont des foyers de richesse, il faut les protéger, donc on a une fortification qui s'agrandit en parallèle. Et alors si on commençait à marcher un petit peu vers cette ville de Metz et ses remparts, au IIIe siècle, donc Metz, tu viens de le dire, s'appelait Divo de Rome, le nom antique de Metz, tout simplement, pour ceux qui se posent la question. La ville de Metz, très rapidement, va devenir une ville extrêmement riche, au point que, au Moyen-Âge, on l'appellera Metz la bourgeoise, Metz la commerçante, Metz la riche. C'est vrai. Alors, ça s'explique aussi par le pouvoir dans cette ville. Au départ, c'est une ville épiscopale qui est dirigée par un évêque. Et puis, à l'intérieur de cette ville, on a des familles qui sont de plus en plus puissantes et qui souhaitent obtenir le pouvoir, un peu comme on l'observe dans certaines villes italiennes comme Florence, un peu comme les Médicis. D'accord. Il y a une guerre qui se déroule, ce qu'on appelle ironiquement la guerre des amis. Et en 1234, les messins, les bourgeois de la ville, les parèges, les familles les plus puissantes, réussissent à se débarrasser de l'évêque qui part se réfugier à Vic-sur-Seille. Et donc comme on a des bourgeois qui prennent le pouvoir dans la ville, ils vont vraiment développer l'économie de cette ville, ils vont chercher à s'enrichir, ce qui est normal. Et puis on va avoir des métiers qui vont particulièrement être lucratifs. Et comme la ville bat sa propre monnaie, on va avoir des changeurs qui vont venir s'installer, et donc un commerce autour de l'argent qui participe à l'enrichissement de la ville. Les changeurs qui vont s'installer notamment place Saint-Louis, qui s'appelait à l'époque place de Change. Voilà, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui à Metz, on a vraiment ces différentes places, ces différents quartiers qui presque tous symbolisent une époque ou une particularité de l'histoire de Metz différente. C'est vrai. Alors, tu parlais effectivement de la place Saint-Louis, plutôt place du change, où on pratiquait le change de la monnaie. Ouais. On a également, alors aujourd'hui on a un parking, c'est le parking Coislin, mais il faut imaginer qu'à l'époque on a le champ à Seille, qui est une place qui est beaucoup plus vaste que la place Saint-Louis, qui est également bordée d'arcades, où on peut avoir des foires, de grandes foires parfois. On a également, par exemple, des tournois qui se déroulent. Et puis, plus ironiquement, pour le côté vraiment typiquement messin, on a sur cette place la chipe, c'est-à-dire la torture typiquement messine, où on punit les criminels, les voleurs, etc., en les faisant tremper un certain temps dans les égouts. D'accord, sympathique. Voilà. Et alors, mis à part pour ce dernier détail, toutes ces richesses de la ville de Metz, il faut les protéger. Et donc, les remparts sont construits au Moyen-Âge. En revanche, dans l'Antiquité, quand on construit des remparts, c'est pour se protéger des premières incursions germaniques. Alors oui, c'est vrai. Ils vont détruire Metz. C'est vrai. On a par exemple les Huns qui vont détruire la ville de Metz, en partie les troupes d'Attila qui arrivent par la porte serpenoise, qui ravagent une partie de la ville. Les fortifications sont fortement abîmées. Et par la suite, on a plusieurs travaux qui vont être effectués, par exemple au 7e siècle par l'évêque Vidicus qui va refaire une partie des remparts. Ça va être également refait, remodernisé par l'évêque Robert. Et puis,
on va laisser un petit peu les remparts de côté jusqu'à ce que l'évêque Bertram se rende compte que comme on a différents faubourgs qui sont installés, si on a à nouveau des incursions barbares, ce sont les faubourgs cette fois-ci qui vont souffrir de ces incursions. Donc il faut les protéger parce que comme on l'a dit, c'est des foyers de richesse. Donc en fin de compte, toute l'histoire de Metz est reliée à ces remparts en fin de compte. L'argent étant le nerf de la guerre, on protège effectivement avec les remparts. Très bien. Bon, et bien continuons sur ce chemin des remparts. Alors, ce circuit. Des remparts. Alors techniquement, on ne dit pas remparts. C'est plutôt fortifications. Fortifications. Les remparts, c'est normalement des murs en terre. Là, c'est des murs de pierre, donc c'est des fortifications. Ah, je connaissais pas cette différence. Alors là, effectivement, c'est de la pierre. On reconnaît bien d'ailleurs la pierre de Jaumont, emblématique à la ville de Metz. Superbe. Et alors, ces tours-là, ce sont les tours qu'on appelle les tours des métiers. Oui, alors pourquoi? C'est une particularité. Alors, finalement, qui est assez répandue. Ouais. La ville, au départ, détient l'entièreté de la fortification. Et donc, on a à ce moment-là à peu près 76 tours à certains moments. D'accord. Ça coûte de l'argent d'entretenir ces tours. D'ailleurs, à cette époque, pour financer l'entretien des fortifications, la ville met en place deux impôts. La bullette sur les actes notariés et la maltote sur les produits qui rentrent à l'intérieur de la ville. L'équivalent aujourd'hui d'une TVA. Il est courant chez les historiens de dire qu'on a financé certaines fortifications en levant le coude. Parce que c'est surtout la maltote des vins qui rapporte. D'accord. Alors... comme c'est un budget finalement qui reste largement insuffisant, la ville décide de donner une partie de ses tours aux métiers qui sont chargés de l'entretien. Alors c'est stratégique. On donne une partie de ses tours aux métiers, comme ça ils sont contents, ils se disent tiens on a un peu de pouvoir pour la ville. Et puis la ville, les parèches se disent c'est bien aussi, nous ça nous permet également d'alléger notre budget. D'accord. Et donc sur nos 76 tours de la fortification médiévale, on a 34 tours, parfois un peu moins, parfois un peu plus, ça dépend des années, qui sont entretenus par des métiers. Alors quand tu dis métier, on parle bien sûr de corporation métier. Exactement. Alors qu'est-ce qu'on a comme corporation ici qui s'occupe des tours? Alors ici, par exemple, de mémoire, je crois que tu as la corporation des maçons. Ouais. Tu as également un peu plus loin celle des tailleurs de pierre. On a également tout ce qui est métier lié aux vêtements. D'accord. Les métiers également de bouche. D'accord. Et puis, on a parfois des regroupements à l'intérieur de ces tours parce que ça coûte cher d'entretenir une fortification, une tour. Alors, on a des regroupements logiques, entre guillemets, le boulanger avec le pâtissier. Puis parfois, on a des regroupements, franchement, sans intérêt, là on voit vraiment que c'est juste une question d'économie d'argent. Par exemple De mémoire, les chandeliers de cire et les barbiers. Pourquoi je pas. Vois pas trop le rapport, mais apparemment... On est pile à la cire après tout. Hein. C'était un mariage heureux, ils sont en avance sur leur temps, c'est vrai. Et alors, certaines tours peinent à financer l'entretien. Ouais. Et on a les magistrats qui sont chargés donc, de l'entretien des tours, qui font régulièrement ce qu'on appelle des visitations. Et on a, aux archives, on a la chance d'avoir certaines de ces visitations. Et on voit dans les comptes que certains métiers appellent littéralement à l'aide. En vieux français, A-Y-D-E. D'accord. Appelé à l'aide, ça signifie que la corporation n'arrive plus à payer. Et donc, elle demande qu'on ajoute soit un métier avec elle, soit que la ville reprenne tout simplement l'entretien. D'accord. Et alors, ces remparts, en tout cas pour cette partie-là, ils datent donc du Moyen-Âge. Jusqu'à quand est-ce qu'ils seront utilisés? Alors, ils vont être utilisés jusqu'en 1552, jusqu'au siège de Metz. Après qu'Henri II ait pris possession de la ville. C'est ça. Mais alors, la particularité, c'est que quand les Français arrivent, ils se rendent compte qu'en fait, nos fortifications sont en très mauvais état. Et donc, une des premières choses qu'ils vont faire, c'est faire un tour, voir ce qui peut être modernisé, ce qui peut être réparé, détruire ce qui ne l'est pas. Et on a la chance d'avoir aux archives les comptes de ces années, les comptes du receveur, c'est-à-dire du comptable de la ville. Et on se rend compte que la fortification est tellement abîmée que cette année-là, pour rénover, ça coûte un tiers du budget, ce qui est colossal. Un tiers du budget de la ville. Ah oui. Un tiers du budget. Énorme. C'est vraiment une des années qui coûte le plus cher. On a aussi des périodes avec la porte des Allemands qui est rénovée, par exemple. Mais là, un tiers de la ville, on sent vraiment que c'est la préparation du siège par rapport à Charles Quint. D'accord. Et alors, après ça, donc la ville devient française. 1648, elle devient officiellement française avec le traité de Westphalie. À partir de ce moment-là, la ville va continuer de se transformer avec notamment des travaux de Vauban, oui, par exemple, de ensuite Cormontaigne. De Cormontaigne. Mm-hmm. Et alors, il y a une phrase qui est devenue extrêmement célèbre, qui représente même la ville de Metz au XVIIe siècle, qui dit « Les places fortes de votre majesté défendent chacune une province, Metz défend l'État ». On voit toute l'importance qui est donnée à la ville de Metz dès lors qu'elle devient officiellement française. Tout à fait. Et c'est une ville qui va rester importante dans les conflits qui vont suivre et qui va à chaque fois être stratégique, que ce soit pour la guerre de 70, pour la Première Guerre mondiale et également la Deuxième Guerre mondiale. D'accord. Et alors, il y a une période également importante au XIXe siècle, dans les années 1830, durant la Restauration. Tous ces remparts-là vont être restaurés. Pourquoi? Est-ce qu'on leur accorde encore un crédit militaire ou non? Alors,
crédit militaire certainement, esthétique également. Puis il ne faut pas oublier, par la suite, on va avoir une période, notamment avec Napoléon III, où on est dans un mouvement où il y a le patrimoine qui compte, il y a les rénovations de Viollet-le-Duc à Notre-Dame, donc il y a une valorisation du patrimoine un petit peu partout en France. Par la suite, bah, l'histoire fait qu'on repasse du côté allemand. Ce sont les Allemands qui vont prendre la suite et restaurer certains monuments, certaines portions de l'enceinte, et en détruire d'autres, par exemple au niveau de l'aménagement du ring. On va détruire une partie, on va garder la tour camoufle, mais on perd une grande partie des fortifications. D'accord. Et oui, comme vient de nous l'expliquer Mylène, les remparts à Metz, c'est toute une histoire. La première enceinte, construite à la fin de l'Antiquité, est étendue au XIIe siècle afin de protéger les nouveaux faubourgs qui se sont construits en dehors de la fortification. Ces constructions sont donc faites durant la République des Parèges, entre 1234 et 1552, et entretenues par des corporations de métiers, comme nous l'a expliqué notre guide Mylène Parisot. Cette enceinte messine a compté jusqu'à 76 tours, 7 portes magistrales et une douzaine de poternes, des portes plus petites placées directement dans le mur, ainsi que 4 ponts fortifiés. Elle représentait pas moins de 6 km de murs défensifs. Et plus les armes évoluaient, plus les fortifications étaient améliorées. C'est le cas notamment au XVIIe et XVIIIe siècle avec Vauban et Cormontaigne, mais dès le XVe siècle, les fausses braies voient le jour et les canonnières remplacent les archères plus fines. Enfin, au XIXe et XXe siècle, des réseaux de forts sont construits pour protéger Metz et la France. Quand on sait tout ça, on comprend pourquoi cette ville a été l'une des plus fortifiées du monde. Et oui. Mais alors, où sont-ils passés tous ces murs défensifs? Malheureusement, il n'en reste plus beaucoup. Dès le début du XIXe siècle, la puissante citadelle de Metz est par exemple démantelée et remplacée par le grand jardin de l'Esplanade et la place de la République. Et ce n'est qu'un début. Lors de la première annexion allemande, entre 1870 et 1914, les Allemands vont en détruire une immense partie, notamment au sud de la ville. Des destructions qui dureront de 1901 à 1906. Une fois les fossés comblés et les murs disparus, les autorités allemandes vont faire construire la nouvelle ville qu'on appelle aujourd'hui le quartier impérial. À la place du mur sud, on peut aujourd'hui admirer la grande avenue Foch qui s'appelait autrefois le Kaiser Wilhelm Ring. Aujourd'hui, il ne reste qu'un kilomètre de murs défensifs datant du Moyen-Âge. Sur les 7 portes magistrales, une seule a survécu au démontage. Il s'agit bien sûr de la porte des Allemands qui, elle aussi, a beaucoup évolué au fur et à mesure des âges. La porte serpenoise ou encore la tour camoufle sont également des vestiges de cette époque des fortifications messines. La visite n'est pas encore terminée, Mylène tient à me montrer l'autre partie des fortifications qui est toujours debout. Nous rebroussons donc chemin et remontons la Seille jusqu'à cette tour. Et on arrive donc à une autre partie hein, de ces remparts. La majorité des remparts de Metz seront détruits. Au début du XXe siècle, pendant la première annexion allemande. Alors effectivement, on est au moment où les Allemands arrivent à Metz, et en Allemagne, ils réalisent une série de travaux dans des villes d'hygiénisme, de modernisation. Et donc à Metz, on a le même système, ils vont effectuer des travaux au niveau de la gare, bien sûr, c'est très célèbre. Oui, bien sûr, oui. Et au niveau des fortifications, plus belle gare de France d'ailleurs, disons-le, on en est fiers. Et au niveau des fortifications, pour notre plus grand malheur, en tout cas on peut dire ça comme ça, ils vont détruire une partie et créer donc le ring. Ouais. C'est malheureux puisqu'on a à ce moment-là la tour camoufle qui va rester, mais toute une partie est détruite. Et ils vont également procéder à l'assèchement, par exemple, derrière nous, du bras de la Seille. À l'origine, il y a toujours ce bras, mais il y en avait un qui passait donc depuis le Moyen-Âge dans la ville, qui servait d'ailleurs au passage un peu d'égout. D'accord. Il est asséché et ils vont également procéder à destruction, également à ce pont qui va malheureusement en souffrir, parce qu'à l'origine, il n'est pas du tout dans cet aspect-là. Il a été, on pourrait presque dire, déshabillé, parce qu'il manque toute la partie extérieure. D'accord. On ne se rend plus compte forcément que c'est un pont aujourd'hui, puisque la Seille ne passe plus. Mais là, on est face à un ouvrage de la fin du XIVe siècle, et qui
à cause en fait des travaux réalisés par les Allemands, aussi par les Français, hein, se retrouve dans cet état. Mais dans notre malheur, il a quand même été conservé. D'accord, bon, c'est ça aussi, hein, la marche de l'histoire, certaines choses disparaissent et d'autres sont détruites aussi par les événements qui arrivent bien plus tardivement par rapport à leur construction, comme là, par exemple, la Tour des Esprits qui est éventrée, hein, qui est détruite pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, pas de chance, un obus va éventrer une partie de la tour. Alors, pas de chance, oui et non, puisque ça permet aujourd'hui quand même d'avoir une vision sur l'intérieur de la tour et voir qu'on a une tour qui bénéficie d'une magnifique voûte, voilà, ce qui est quand même assez rare. On n'imagine pas des tours dans cet esprit. Alors, pour l'anecdote, ça s'appelle la Tour des Esprits, sans jeu de mots d'ailleurs. Très bon jeu de mots quand même. Tour des Esprits, alors à l'origine, ce n'est pas du tout son nom. Hein. Comme les autres tours de corporation des métiers, elle accueille un métier, donc les barbiers et les chandeliers de cire. Elle prend le nom de Tour des Esprits parce que la légende veut qu'il y ait des cultes et des sorcières potentiellement dans la zone, comme un peu la Tour du Diable. On a des noms qui ont une consonance religieuse à cette époque. D'accord. Et donc la Tour des Esprits est éventrée au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et elle est rénovée, et malheureusement pas comme il aurait fallu, puisque aujourd'hui on sait que l'emplacement de certaines canonnières n'est pas juste. Ça a été peut-être mal remonté, trop vite. C'est dommage. C'est dommage. Mais aujourd'hui, donc là, Seconde Guerre mondiale, c'est surtout en 44, c'est extrêmement violent, hein, ici dans le coin avec la Libération. Aujourd'hui, tous ces remparts, en tout cas les parties restantes, participent vraiment au charme de la ville de Metz. Mais tout à fait. Et je pense que c'est dommage que certains Messins n'aient pas connaissance de ce circuit. Il y a vraiment une belle balade à faire, surtout l'été quand il fait beau. Il y a encore à peu près 1 km de remparts qui sont conservés, donc de la porte des Allemands jusqu'à la confluence, où on était tout à l'heure au niveau de la Tour du Diable. Il y a quelques panneaux explicatifs qui permettent justement d'imaginer comment c'était à l'époque. Et alors, on remarque, tout à l'heure, on voyait beaucoup de tours rondes. Là, on a des tours plus carrées. Oui, alors la particularité de cette zone où nous sommes, jusqu'au pont Roquemont, donc au pont de Sainte-Barbe qui a été détruite, cette zone, ce sont des tours de la cité et effectivement, elles n'ont pas forcément la même forme. Alors, il ne faut pas forcément chercher l'efficacité à ce moment-là. On cherche un petit peu ce qui est le plus pratique, une tour ronde, une tour en éperon. On cherche un peu et donc là, il y a différentes formes. On voit par contre, c'est intéressant, l'évolution de l'armement. Elles ont des archères et elles ont également des canonnières, ce qui montre qu'on a su améliorer ces tours au moment de l'utilisation de l'artillerie. D'accord. Donc l'uniformisation viendra postérieurement donc au XIVe siècle. Voilà, 14e, 15e siècle, tout à fait. Très bien. Bah, merci beaucoup, Mylène, pour cette promenade, hein, sur ce circuit des remparts, circuit des fortifications, devrions-nous dire. Oui. C'est vraiment une promenade extrêmement intéressante et directement rattachée à l'histoire de Metz. Merci. Tout à fait. À bientôt. Les fortifications messines ont une histoire au moins aussi mouvementée que celle de la ville qu'elles ont protégée durant plus de 1700 ans. Sans les destructions de ces murs, Metz aurait aujourd'hui un visage bien différent. Elle pourrait ressembler à des villes fortifiées telles que Carcassonne. Mais le cours de l'histoire en aura voulu autrement. Le charme de la ville de Metz se trouve aujourd'hui dans ce patrimoine qui la caractérise et qui, tel un jeu de piste, nous permet de comprendre les différentes époques qui ont bâti son histoire si singulière. Allez, il est temps maintenant d'aller retrouver Kevin Guriot pour la suite en plateau. On se retrouve, pour la suite en plateau avec Kevin Guriot. Kevin Guriot, auteur et historien spécialiste de la Lorraine. Salut Kevin. Salut Tim. Tu viens de suivre avec nous, hein, en direct donc, cette visite des remparts de Metz. Les remparts de Metz, on le disait d'ailleurs avec Mylène Parisot, 17 siècles d'histoire, 1700 ans. Et de facto, c'est donc une magnifique vitrine de l'évolution de l'histoire des remparts, de toute l'histoire des remparts en fin de compte. Oui, je crois qu'aucune autre ville en France ne peut offrir un tel spectre, finalement, de l'histoire, de l'évolution des fortifications. On a la chance à Metz d'avoir des remparts gallo-romains, alors qu'ils sont assez discrets dans la ville, mais ils sont malgré tout présents. On a bien sûr des restes des remparts médiévaux. Hein. Metz, au Moyen-Âge, c'est 7 km de remparts, 40 portes, 18 tours. Il reste la porte des Allemands, tout le front de la Seille, avec ces tours qui étaient entretenues par les différents métiers, corps de métier au Moyen-Âge. On a bien sûr la double couronne de Bellecroix, fortification 18e siècle, avec ses bastions en étoile. Et puis on va, si on quitte un petit peu le centre-ville, si on s'éloigne sur les hauteurs de Metz, on a tous les forts de la Moselle-Stellung. Ça va être le fort du Sommy, du Saint-Blaise, les forts qui couronnent le Mont-Saint-Quentin, le fort de Queuleu, etc. Et puis
on s'éloigne encore un tout petit peu, c'est la ligne Maginot, fortification bétonnée. On va y revenir à la ligne Maginot, mais d'abord, il y a quand même une question qu'on se pose, qu'il faut se poser. Est-ce que toutes ces fortifications que tu viens de nous décrire ont eu une utilité dans l'histoire de Metz, qui est ponctuée de nombreuses guerres? Est-ce qu'elles ont eu réellement une utilité ou non? Alors, ça dépend à quelle époque on va se situer. Metz a été prise, on peut dire, je pense, dans son histoire, à trois reprises. Une première fois en 451, alors c'était, voilà, c'est Attila, ce sont les Huns, des textes qui sont d'ailleurs assez lacunaires, un petit peu hagiographiques. On nous parle, voilà, d'une ville qui va être rasée par les troupes d'Attila, sauf le sanctuaire de Saint-Étienne qui, lui, va subsister. Il faudra ensuite attendre 1870, finalement, pour que Metz tombe à nouveau aux mains de l'ennemi, ce qui veut dire que tout au long du Moyen-Âge, et pourtant Dieu sait s'ils ont été nombreux à chercher à s'emparer de Metz, que ce soit les ducs de Lorraine, les comtes de Bar ou de Luxembourg, l'archevêque de Trèves également, tout au long du Moyen-Âge, la ville de Metz va résister aux différents assauts. En 1552, la ville tombe aux mains d'Henri II, hein, le roi de France. Charles Quint va tenter de la reprendre, mais en vain. Et donc en 1870 seulement, la ville tombe avec toute l'Alsace-Lorraine aux mains des Allemands. Et puis en 1944, les Américains s'empareront de Metz, ils mettront quand même près de 3 mois à s'emparer du pays messin avec un système de tenaille qui leur permettra de reconquérir donc Metz. Restons au 17e, 18e, donc après le siège de Charles Quint qui a tenté de reprendre la ville à Henri II après 1552. De grands noms sont rattachés aux fortifications de l'histoire de Metz. C'est le cas bien sûr de la star des architectes militaires du 17e siècle, Vauban, mais également de son successeur, de son héritier même, on pourrait dire, de Cormontaigne. Oui. Alors, ce sont des noms qui sont souvent cités. Je pense à Cormontaigne qui a donné son nom également à un lycée de Metz. Cormontaigne, c'est vraiment l'élève de Vauban. Hein. Il va appliquer, développer le système du bastion en étoile. Mais si on parle de noms et de notables qui sont rattachés finalement aux différents sièges de Metz, on a bien sûr des militaires, des ingénieurs militaires, mais on a aussi des écrivains. Je pense à Brantôme qui a dit du siège de Metz en 1552 qu'il a été le plus grand siège qu'il fut jamais. Je pense également à Rabelais qui va composer une partie du quart livre pendant le siège de 1552. Alors pour revenir à Cormontaigne, Vauban, là encore on s'inscrit dans une longue tradition d'ingénieurs militaires. Hein. Vauban, Sébastien le prêtre de son vrai nom, c'est quand même l'ingénieur qui va duquel on disait que à partir du moment où il s'attaque à une place forte, elle sera forcément prise. À partir du moment où il défend une place forte, elle sera imprenable. C'est ce qu'on disait donc de ce grand ingénieur qui d'ailleurs n'était pas seulement ingénieur militaire, mais il a également fait des traités et des ouvrages sur l'amélioration des conditions d'hygiène dans la plupart des villes qu'il a fortifiées. Jusqu'au début du tout début du 18e siècle, jusqu'en 1705. Absolument. Les grands travaux, passons un petit peu quelques décennies, on arrive aux grands travaux durant la première annexion allemande, donc Metz devient allemande, je le rappelle, en 1870, après la défaite de l'Empire de Napoléon III contre la Prusse. Les grands travaux, début 20e, vont changer beaucoup de choses. Les fortifications vont être détruites, démontées, on utilise le terme qu'on veut, en tout cas, elles ne seront plus là. Ils gardent quand même certains éléments, la porte serpenoise, la tour camoufle, la magistrale porte des Allemands. Quel intérêt pour eux de garder comme ça des petits clins d'œil à l'histoire messine? Alors il y a un intérêt, l'intérêt de détruire les remparts, il est dans le fait qu'il faut aménager la ville, il faut l'assainir également, tout la partie de la Seille en fait, le long de laquelle les tanneurs s'étaient implantés était absolument effroyable avec des odeurs, une puanteur indescriptible, donc tout ça va être comblé, ça va être la création de la rue Haute-Seille en fait, on va également combler les fossés au sud de la ville, en abattant les remparts, en créant ce qu'on appelle le Kaiserwilhelm Ring à l'époque, donc l'actuelle avenue Foch, pour faciliter la circulation mais aussi le passage de la vieille ville à la ville neuve. Alors tous ces travaux vont être largement décriés par les messins. Maurice Barrès va se faire d'ailleurs un petit peu le porte-parole de ce sentiment-là en disant au début de Colette Baudoche, il faut regarder les maisons que les Allemands construisent le long de l'avenue Foch, couleur café au lait, miel ou beurre, qui montrent toute la prédisposition qu'ont les teutons pour tout ce qui est comestible. Donc voilà, il ne va pas avec le dos de la cuillère. Pourtant, c'est aujourd'hui un
quartier qui participe réellement au charme de Metz, qui fait partie bien sûr, on parle de l'inscrire au patrimoine mondial de l'UNESCO, toute cette Neustadt, cette nouvelle ville. Alors pourquoi les Allemands vont garder malgré tout la porte serpenoise, la tour Camoufle ou encore la porte des Allemands? Il y a une volonté aussi de prendre soin malgré tout du patrimoine. Il suffit de s'exporter un petit peu en dehors de Metz. À Vic-sur-Seille, par exemple, l'hôtel de la Monnaie est restauré, là encore, sous le règne de Guillaume II. Pour dire aux Lorrains, voyez, on prend soin également de votre patrimoine, on l'aménage, mais on garde aussi, puis la porte des Allemands, il y a aussi une connotation forcément un petit peu culturelle, un petit peu emblématique, cette porte des Allemands, dont le nom vient du fait qu'il y avait des chevaliers teutoniques qui étaient implantés au pied de cette porte, va devenir un petit peu la porte d'entrée du Reich, finalement. Et Metz, tout entière, devient la porte d'entrée de cet empire. Très bien, et bien c'est sur cette dernière information qu'on s'arrête. Merci beaucoup Kevin d'être venu compléter donc cette émission sur les remparts de Metz. Les remparts de Metz, 17 siècles d'histoire et donc forcément toutes les vicissitudes, tous les chapitres qui s'y rattachent. Merci encore Kevin, à bientôt. Merci à toi, Tim. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Destination Moselle. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau remontage dans le temps, si on peut dire. Vous en voulez encore ? Élèves, Tim. J'ai des élèves qui regardent. Mais justement, ils t'aimeront encore plus. Les remparts de Metz, c'est une histoire qui s'étale de l'Antiquité à nos jours jusqu'au XXe siècle. Non, de l'Antiquité au XXe siècle. Quand Vauban dit les... Attends, j'ai dit la phrase. Ah bah moi, je ne peux pas t'aider, je la connais pas. Je la connais. Reviens. Ah ouais, c'est bon. Plus longe, plus peut-être un... Voilà, non, pas tout à fait quand même, mais voilà. Tu veux dire ici pas... Sur le circuit des remparts, des fortifications. À bientôt. J'aurais bien voulu ajouter quelque chose. C'est pas grave, on va reprendre. Oh